du volcan. Salut, moi c'est Charles. Je me suis donné pour objectif de découvrir les merveilles de notre belle île avant de sauter la mer. Et pour ça, j'ai fait une to-do list que je compléterai au fur et à mesure. Je souhaite vous partager ma passion pour la découverte, la marche et la moto. Le compte à rebours est lancé. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve au volcan. J'ai envie d'aller faire la randonnée du Piton de l'eau, mais je suis pas sûr qu'il fasse beau. On voit les nuages qui sont déjà en train de monter derrière. Et donc je vais aller faire un petit tour en drone déjà. On va voir s'il fait beau, et s'il fait beau, on va y aller. Bon, comme vous avez pu le voir, il fait vraiment super beau. Du coup, c'est parti. Vous voyez, il n'y a pas assez de difficultés dans ce que je fais. Il faut que je fasse des allers-retours en courant aussi. Je fais mon Luc Léger en même temps. Ça m'avait manqué là de faire ce genre de bêtises. Ça fait du bien de retrouver un peu les sentiers. Ouh, c'est dangereux ça. On va ralentir. Parce que les dernières sorties c'était plus chill. Je sais pas si vous aviez vu. Et là ça fait du bien. Si on va ralentir, puis la pente, voilà. Et bon. C'est pour ça aussi que je voulais courir. Vous avez vu les nuages là qui arrivent? Donc il faut que je me dépêche d'arriver là-bas. Comme vous avez pu voir, j'ai retrouvé la piste. Mais je vais essayer de retrouver le sentier parce que c'est pas amusant la piste. Parce que c'est plat, c'est droit. Vous voyez ça là? Ça pique! Le sentier coupe de temps en temps le chemin, mais il n'y en a pas un vraiment tracé. Ouais. Putain, casse les couilles là. Ah, j'aime pas ça. Ouais.
je dois faire demi-tour et je vais pas aller dans le pâturage. Quand le soleil se lève, l'atmosphère se réchauffe et en bas là c'est très humide et du coup en fait il se forme des nuages en bas. Et comme à La Réunion il y a une côte au vent et une côte sous le vent, et bien la côte au vent c'est la côte est, et du coup l'air pousse les nuages en montant. Donc tous les nuages de la plaine des Cafres, ils viennent de la plaine des Palmistes. Ça veut dire que ça fait 1h40 théoriquement que je marche, mais ça fait que 42 minutes. Donc c'est bien, ça veut dire que j'ai fait vite. Normalement là on est censé avoir une belle vue sur la plaine des Palmistes, mais c'est dommage. Là je suis dans un pâturage, j'espère que je vais retrouver la route. Et évidemment que non, putain de merde. Je vais arrêter de prendre ces pseudo raccourcis de merde qui n'en sont pas. Il est con ce mec. Aïe. Parce que en plus de me faire perdre du temps, ça me fatigue. Parce qu'il y a des sacrées pentes à monter. Putain de l'eau. 20 minutes. Ça fait une heure. Et là, ça doit être le piton des braises, juste là. C'est bien. Donné pour 3 heures, j'ai fait à peu près 1h20, 1h10. Je sais pas combien de temps j'arrive. Allez. Bon, on essaie de galoper toujours, mais c'est un peu plus compliqué ce sentier, un peu plus difficile. Je suis arrivé à ce petit coin de paradis. Se poser là un instant, 10 minutes, et puis on va faire le sentier inverse en courant toujours. Donc je vais moins vous filmer ça. Tout comme le lac Argamas, le Piton de l'Eau a la particularité d'accueillir un plan d'eau permanent. Et il est particulièrement beau lors de l'hiver austral, lorsque les arômes sont en fleurs. Ce phénomène est dû à son fond argileux imperméable créé par un dépôt de cendres il y a 4700 ans lors de la création de l'enclos du Fouquet. L'âge du Piton de l'Eau n'est pas connu, on sait seulement qu'il est plus ancien que les cendres. Bon, l'idéal serait d'arriver ici avant 9h, 8h30, 9h, parce qu'après il y a trop de nuages partout. Mais bon, c'est pas grave, il fait beau quand même, enfin il pleut pas, donc c'est l'essentiel. Bon là on prend le chemin du retour, je suis pas sûr que je vais vous filmer tout ça parce que ce sera peut-être le même chemin. Ça fait plaisir, je vous ai rien filmé parce que on avait déjà tout vu comme je vous avais dit. On est presque arrivé, il reste 10 minutes. Dans quelques temps je reviendrai et on fera le nez de bœuf. Bon, je suis arrivé à la moto et ça m'a pris 3 heures. Donc si vous vous dépêchez, les panneaux sont un peu menteurs, aller-retour j'ai fait en 3 heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.